J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Roi de roi, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi, je crois, Seigneur, soutiens ma foi, tiens-moi près de ta croix. Roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. C'est notre prière ce soir, Seigneur Jésus. Avec toi, nous voulons mourir, Seigneur. Que les œuvres de la chair puissent disparaître en nous, Seigneur Jésus. Nous voulons être changés, nous voulons être transformés, nous voulons être remplis de toi. Nous voulons que nos vies puissent refléter, Seigneur, l'image de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour cette grâce et ce privilège que nous avons ce soir de nous tenir dans ta maison, notre Dieu. Qui, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie, Seigneur. Qui, par ses inquiétudes, Seigneur, peut changer le cours de l'histoire, mon Sauveur? Tu es seul le maître de temps et des circonstances, mon Sauveur. Tout est soumis, mon Sauveur. Nous voulons aussi nous soumettre à toi, notre Dieu. Que nos vies soient soumises à toi, Seigneur. Nos décisions soumises, Seigneur, mon Dieu, à ta volonté, notre Seigneur. Prends le contrôle de la réunion de ce soir. Que tous ceux qui ne confessent pas ton nom soient chassés de ce lieu au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Oh, les cieux publient ton nom. Les cieux exaltent ton nom, Seigneur. Et sur la terre, Seigneur, tu as choisi des hommes vils, des femmes vils, comme nous, Seigneur, pour glorifier ton nom, Seigneur. Les anges te louent et nous t'adorons, mon Sauveur. Béni sois-tu, notre Dieu, parce que pour nous, tu as fait et tu feras encore des merveilles. Seigneur, merci pour ta présence. Que ton Saint-Esprit nous conduise. Pardonne-nous nos péchés, Père. Pardonne nos manquements. Lave-nous, Seigneur. Là où l'homme a encore dominé, mon Sauveur. En lieu et place de l'Esprit, mon Sauveur. Puisses-tu vraiment nous pardonner, notre Dieu. Nous voulons encore plus de toi. Soutiens-nous. Fortifie-nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Bénis chaque frère et chaque sœur ce soir. Bénis notre pasteur, mon Sauveur. Tous mes frères dans le service. À toi seul soit la gloire. À toi l'autorité. À toi l'honneur à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous t'avons prié et remercié, Père. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse richement. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Asseyons-nous. Que le Seigneur soit béni. Papy Christophe, qu'est-ce que tu aimerais bien chanter pour la gloire de Dieu ce soir, s'il te plaît? Mon gros Barry Kissan. Considère. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Ah oui, aujourd'hui c'est un jour spécial aussi pour l'un d'entre nous. Que le Seigneur te bénisse richement, Noah. Un très très bon anniversaire à toi. C'est son jour d'anniversaire aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on chante ?
Tu ne sais pas? Alors prépare-toi, tu viens chanter tout à l'heure. Que Dieu te bénisse. Regardez les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent. Quand nous considérons sa parole, nous découvrons combien il est merveilleux, notre Dieu. Que le Seigneur soit réellement béni. Alors, tu es prête? Viens.
Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte. Car il est saint. Nous sommes réellement le troupeau de son peuple, dont sa main réellement, le troupeau de son pâturage, que sa main puissante conduit. Que le Seigneur soit réellement béni. Que Dieu vous bénisse richement. Les enfants, vous préparez tout à l'heure, vous allez venir réellement chanter encore un cantique. Les nations se disloquent, Israël se prépare. Bientôt, notre retour à la maison aussi s'approche. 48 dans les fardes. Les nations se disloquent, Israël se réveille, les signes que les prophètes prédisent, les jours de gentil comptés,
encombré d'horreur, bientôt sera l'éternel. Que Dieu nous fortifie réellement. Nous sommes venus pour le louer. Nous sommes venus pour le louer. Nous sommes venus pour louer le nom du Seigneur. Nous sommes venus pour louer. Nous sommes venus pour le louer le nom du Seigneur, venu. Louer
Et que toute langue confesse que tu es Seigneur. Seigneur, tu es présent, car ta parole est la vérité. Il est écrit que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, Seigneur Jésus, tu es présent. Et quand tu descends, l'atmosphère change. Il y a un transfert entre ciel et terre, entre le Créateur et l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Seigneur, merci parce que les maladies s'enfuient. Merci parce que les aveugles peuvent voir. Dans le nom de Jésus-Christ, le nom le plus beau, le plus puissant, ce nom qui chasse les démons, ce nom qui fait sauter les paralytiques comme des biches sautent d'une étable, mon Sauveur. Béni sois-tu, notre Père, pour ta présence encore ce soir. Merci parce que ton nom est fidèle. Ton nom est fidèle, Seigneur Jésus. Tu demeures fidèle, même quand l'homme est infidèle, mon Sauveur. Tu veilles sur ta parole, non pas sur nous, mais sur ta parole, mon Jésus, pour l'accomplir et l'exécuter. Seigneur, ce soir, je t'en supplie, ne regarde pas à nos fautes ni à nos manquements. Seigneur, regarde simplement à la promesse que tu nous as faite. Chaque promesse, chaque verset, chaque ligne dans la Bible m'appartient, Seigneur Jésus. Nous nous réclamons comme étant ceux de ton peuple, notre Dieu. Et nous voulons travailler pour notre salut, travailler pour l'œuvre de l'Éternel. Seigneur, bénis-nous encore ce soir. Tu vois réellement le zèle, l'empressement, l'engouement, la consécration, Seigneur, que nous avons pour toi, notre Dieu. Accorde-nous réellement ton aide, Seigneur. Nous voulons te servir de tout notre cœur. À jamais, tu seras l'agneau de Dieu sur le trône. Tu as quitté ce trône, Seigneur Jésus, pour venir réellement mourir pour des pécheurs que nous étions. Seigneur, ton sang a coulé pour que nous puissions être rachetés. Merci parce que ce soir, de nous qui étions loin de toi, Seigneur Jésus, tu nous as ramenés, rapprochés de toi, Seigneur. Oh, Jésus-Christ, merci. Merci, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Délivre réellement ceux qui sont liés, mon Jésus. Oh, gloire à toi. Merci, Seigneur. Libère les captifs, Seigneur. Fais marcher les paralytiques, mon Sauveur.
Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. À jamais tu seras l'agneau de Dieu sur le trône, le grand vainqueur qui est assis à la droite de Dieu. Les problèmes sont solutionnés. Seigneur, les tristesses sont enlevées. Console, fortifie, relève. Parle-nous encore ce soir, mon Père, comme un père parle à ses enfants. Seigneur, je remets ton serviteur, notre pasteur, entre tes mains. Seigneur, je te prie pour lui, afin que tu le soutiennes. Seigneur, tu connais l'amour qu'il a pour nous, Seigneur. L'amour qu'il a pour ton peuple, Seigneur Jésus. Tu l'as appelé pour ton service. Il est à toi, il t'appartient, mon Jésus. Chaque nuit, chaque jour, il ne cesse de s'approcher de toi pour recevoir la conduite que toi tu veux donner réellement à ton peuple, mon Père. Garde-le toujours à la brèche, mon Sauveur. Protège-le, Seigneur, et qu'il soit toujours disposé, Seigneur, pour réellement te servir, mon Sauveur. Ce soir, nous le remettons entre tes mains, mon Sauveur. Quand il se tiendra devant ton peuple, ô Père, que toi, tu puisses parler au travers de lui. Que tout ce qui est de l'homme disparaisse, mais que seul ton Esprit Saint prenne le contrôle. Nous sommes venus avec beaucoup d'attentes, Seigneur Jésus, avec beaucoup de préoccupations et de questions. Mais tu es le seul, Seigneur Jésus, qui peut répondre, mon Sauveur. Tu es celui qui essuie nos larmes. Tu es celui qui nous fortifie. Dans le plus bas profond, Seigneur, tu es celui qui nous tend la main et qui nous relève. Seigneur, à toi nos cœurs, à toi nos vies. Ouvre-nous, Seigneur, l'entendement spirituel, afin de comprendre ce que tu veux de nous encore aujourd'hui. Merci, Père, pour l'amour dont tu nous as aimés. Merci pour tes compassions qui se renouvellent sur nous chaque matin.
Merci pour le privilège que nous avons d'être ce soir encore parmi les vivants dans ta maison, Seigneur. Tu dis que les vivants, ce sont ceux-là qui te louent. Nous t'avons loué, nous t'avons adoré. Tu es descendu. Parle-nous, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse richement. Levons-nous, s'il vous plaît. Nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre psaume chapitre 122 psaume chapitre 122. Nous lisons la parole du Seigneur. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Amen. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Jésus est avec nous, qui sera contre nous? Élevé comme il est toujours, mon bien-aimé Père. Nous le chantons et c'est vrai, nous sommes vraiment dans la joie quand on nous dit allons dans la maison de l'Éternel. Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Et c'est là que nous voulons nous retrouver, mon bien-aimé Père Saint, pour pouvoir te servir encore davantage. Avec un cœur vraiment dévoué, mon bien-aimé Père au Dieu, et nous sommes rassemblés encore ce soir avec beaucoup de joie, d'allégresse dans notre cœur, mon Seigneur, sachant que toi, le Dieu très haut, tu es le Dieu qui aime être glorifié davantage, mon roi. C'est pourquoi nous t'avons glorifié, c'est pourquoi nous t'avons chanté, c'est pourquoi nous te glorifions. Nous chantons aussi de tout notre cœur, mon Père. Merci vraiment encore pour ce moment béni que tu nous donnes, notre Dieu. Il n'y a pas un endroit merveilleux pour nous trouver, sinon à cet endroit, bien-aimé Père Tout-Puissant. Nous avons la communion avec toi, avec ton Père, mon bien-aimé Père Saint. Autour de ta parole à toi, mon bien-aimé Seigneur, tu es le Dieu qui parle et qui conduit encore, Père. Sois béni encore ce soir et sois glorifié, Père Dieu, pour ton amour à notre endroit et pour chaque frère et chaque sœur que tu as gardé et que tu gardes encore aujourd'hui, bien-aimé Père Tout-Puissant, pour ton honneur et ta gloire à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci encore pour ce que tu fais. Nous pensons à tous nos frères, nous pensons à soi, à toutes nos sœurs, bien-aimé Père Tout-Puissant, et partout où ils sont encore aujourd'hui, bien-aimé Père Saint, qui sont encore connectés en cet endroit pour entendre encore ta voix, ta bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous sommes heureux, Père Dieu, savoir que tu es réellement vivant, Père. Nous t'avons chanté les chants de Sion, mon bien-aimé Père Tout-Puissant. Nous t'avons glorifié, mon roi, et ce soir, nous t'attendons comme un Père Tout-Puissant pour toucher encore nos cœurs. Bénis ton Père, mon bénémoine Père Saint. Le cœur, tu es disposé encore ce soir. Nous sommes à ta maison, à toi, pour pouvoir entendre ta voix. Et encore pour ta loi, bénémoine Père Saint, oh Dieu. Nous voulons te chanter, nous voulons te servir encore comme tu le veux, bénémoine Père Tout-Puissant. Pardonne nos péchés, nos manquements, mon sauveur, et conduis, éclaire encore chacun de nous, car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit béni.
qu'il vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. C'est toujours merveilleux lorsque nous pouvons avoir ce temps de communion autour de la parole de notre Dieu, et surtout aussi la communion aussi les uns avec les autres. Nous avons aussi réalisé combien cela a été très important pour nous de pouvoir avoir ce moment. Quand on parle de la communion, c'est le temps où nous pouvons parler les uns avec les autres, voir notre frère, voir notre sœur et lui parler, lui exprimer effectivement aussi l'amour que nous ressentons dans notre cœur à son endroit. Parce que comme nous l'avons eu à pouvoir aussi l'entendre le dire aussi, il est tellement important pendant le temps de notre pèlerinage que nous puissions faire du bien à nos frères et sœurs, leur montrer effectivement aussi l'amour que nous avons à leur endroit, que d'attendre effectivement les jours où ils sont dans le cercueil pour y va pouvoir maintenant pleurer et aussi leur exprimer aussi ce que le Seigneur notre Dieu a eu à pouvoir mettre aussi dans notre cœur. Nous voulons marcher avec Dieu, nous voulons vraiment être éclairés davantage par le Seigneur, et surtout être conduit encore par lui dans un temps comme celui-ci, où nous voyons que le monde ne tient pas effectivement, évidemment, le monde ne peut pas tenir effectivement dans la voie que le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir établir. C'est la grâce que Dieu nous a accordée aussi de pouvoir réaliser qu'il nous a donné la connaissance pour que nous voyons que les choses qui nous entourent ne peuvent pas arriver à pouvoir amener l'homme au bonheur, puisque ces choses n'ont jamais été conformes à la volonté de Dieu. Et nous savons qu'effectivement que lorsque Satan a eu à pouvoir séduire Ève effectivement et aussi mettre en sorte qu'effectivement que Adam puisse arriver à pouvoir aller dans cette voie, il a voulu être maître de toutes choses effectivement. Il a voulu être celui qui devait réellement aussi gérer et conduire effectivement les choses, pensant qu'il avait la meilleure façon de pouvoir réellement aussi faire les choses effectivement et qu'il pensait qu'il avait quelque chose de tellement meilleur que Dieu lui-même. Et ce que nous avons constaté, c'était quoi? C'est le chaos total. Parce que quand Dieu a créé toutes choses, effectivement, il y avait donc l'harmonie, effectivement, tout était bien, parce que tout était effectivement dans la volonté parfaite de notre Dieu. Quand chaque chose est conforme à la volonté de Dieu, alors nous savons qu'effectivement, que ces choses, effectivement, vont évoluer de la bonne manière. Il y aura vraiment aussi la communion, il y aura aussi, effectivement, aussi l'entente, il y aura aussi la paix, effectivement. Mais quand ça sort, effectivement, de la ligne de l'Éternel, notre Dieu, alors les choses changent. C'est comme ça qu'ils ont pu voir pour la première fois ce que c'était qu'effectivement, que le sang de quelqu'un, parce qu'il n'avait jamais pu voir effectivement le sang d'un être humain lorsque Caïn a eu à pouvoir effectivement aussi tuer Abel. Donc cela a démontré qu'effectivement que les choses ont changé. Parce que pendant qu'il était encore dans les jardins d'Éden, effectivement, il n'y avait jamais eu de meurtre ou quoi que ce soit. Parce que tout était effectivement conforme à la volonté de Dieu. C'est dans ce monde dans lequel nous nous trouvons, où nous pouvons réellement réaliser qu'effectivement que ce monde ne peut absolument pas agir ou faire quelque chose qui soit réellement conforme à la volonté de Dieu. Parce que c'est lui qui gère et qui conduit ce monde. Ce n'est pas vraiment Dieu, c'est effectivement l'ennemi qui a eu à pouvoir prendre le dessus pour effectivement mettre effectivement les gens dans ces conditions dans lesquelles ils se trouvent aujourd'hui. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a beaucoup plus de meurtres sur la terre, beaucoup plus de haine sur la terre, parce que c'est Satan lui-même qui a encore, parce que jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur l'a laissé faire, mais parce qu'il y aura un temps effectivement où il sera lié. Ça, nous le savons. Mais pendant ce temps-ci, il doit séduire encore parce que c'est le temps qui lui est réellement imparti. Il y a un temps qu'il peut agir, effectivement, mais il y a un temps aussi où le Seigneur va aussi le lier pendant un laps de temps. Mais ce que nous avons encore privilégié, effectivement, c'est que, étant réellement dans ce monde, c'est là que nous voyons la puissance de Dieu pour que nous comprenions, effectivement, aussi l'importance de pouvoir réellement avoir une foi réelle dans les choses qui concernent Dieu pour que nous puissions être appelés réellement des vainqueurs. Nous citons ces mots de notre bouche, effectivement, que nous sommes plus que vainqueurs, alors qu'en réalité, effectivement, ce n'est qu'une pensée. Pour que nous le soyons, effectivement, il faut que nous comprenions, effectivement, aussi ce que Dieu a eu à pouvoir faire et ce que nous sommes et ce que nous possédons réellement de la part du Seigneur. Qu'est-ce que nous possédons? Parce que ce monde, effectivement, est sous l'emprise, effectivement, du malin. Satan est un esprit, effectivement, qui contrôle, effectivement, beaucoup de choses. Et nous sommes des humains dans un monde, comme vous voyez, effectivement, l'influence qu'il y a aujourd'hui. Hier, c'est vrai que nous disons que nous étions libres, effectivement, de faire ce que nous voulions, parce que nous sommes des humains. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons appris qu'effectivement, que notre liberté, nous n'avions pas la liberté. On nous a enfermés dans la maison comme des gamins. On ne pouvait pas sortir. Mais c'est vrai.
Vous ne pouvez pas sortir, effectivement, vous sortez, vous avez des problèmes. Donc chacun, c'est ce qu'on appelle le confinement, donc chacun est resté. Évidemment, c'était pour ne pas avoir la contagion, mais c'est pour que nous comprenions que, effectivement, que on vous enferme, on dit que maintenant, aujourd'hui, vous ne pouvez pas sortir, vous ne sortirez pas. Donc en fait, en réalité, effectivement, que notre liberté, nous ne l'avons pas vraiment. Donc on ne peut faire que ce qu'on nous permet de pouvoir faire. Qui permet de pouvoir faire, effectivement, mais ce sont ceux qui dirigent le monde, effectivement. Qui dirige, effectivement, les gouvernements, effectivement, c'est pas Dieu. Parce que si c'était Dieu, eh bien évidemment, les églises ne fermeraient pas. Donc effectivement, on va prier les églises pour qu'on puisse prier Dieu. Parce que si Dieu est au contrôle, les choses sont différentes. Donc nous devons comprendre qu'effectivement, que nous vivons dans un monde, et comme la Bible dit effectivement, que usons de ce monde comme n'en usons pas. Donc nous ne devons pas faire partie de ce monde, effectivement, comme si réellement c'était notre endroit dans lequel, effectivement, non, nous sommes vraiment de pèlerins. Et quand on parle de pèlerins, ce sont des gens qui sont des voyageurs, qui n'ont pas des lieux, effectivement, vous allez dire, mais ça c'est chez moi, effectivement. Non, ils sont en chemin parce que leur chez-eux n'est pas ici, bas, effectivement. Donc il faut que nous comprenions qu'il ne s'agit pas de voir simplement dire que nous sommes plus que vainqueurs parce que nous l'avons lu. Il faut que nous réalisions, effectivement, que nous le sommes, effectivement. Et dans quelles circonstances, effectivement, on peut dire que nous le sommes? Parce que les formules, on peut le répéter, effectivement. Mais en fait, posséder la chose, c'est tout à fait différent. Comme Pierre et Jean qui veulent dire, effectivement, que nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, ce que donc nous possédons, voici, nous le donnons aussi, effectivement. Donc, il faut que nous soyons conscients que nous possédons quelque chose. Pas simplement dans l'imagination, mais effectivement dans la réalité. Quand on dit que nous sommes plus que vainqueurs, mais dans quel contexte, effectivement, nous sommes plus que vainqueurs? Sur base de quoi? Effectivement, qu'est-ce qui fait que moi, je sois plus que vainqueur? Parce que si tu parles effectivement plus que vainqueur, c'est que tu as vaincu quelque chose. Or, ce monde, effectivement, est sous l'emprise du malin. Le malin, c'est Satan. Donc, il a des démons, effectivement, qui sont des milliers, effectivement, certainement. Alors, toi, effectivement, quand tu dis que nous sommes plus que vainqueurs, je suis plus que vainqueur, il faut savoir qu'est-ce que toi, tu as vaincu. C'est nécessaire, mon frère et ma sœur, parce que nous avançons dans les choses qui concernent Dieu, et nous entendons effectivement des choses qui sont importantes pour nous, parce que nous avons la promesse que le Seigneur nous a faite, que deux seront dans un lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. C'est pas une histoire, mon frère et ma sœur, c'est vraiment une réalité. Donc effectivement, que nous sommes dans une phase où nous devons être certains que même si ces jours-là la trompette sonnait, sûr et certain que je dois être de ceux-là qui doivent partir. Pas simplement se convaincre soi-même. Parce que la Bible dit qu'effectivement que l'Esprit rend témoignage à notre esprit. Il s'agit que l'Esprit du Seigneur puisse rendre témoignage effectivement à ton esprit, à mon esprit, pas que mon esprit à moi rend témoignage à moi-même. Non, pas du tout. Mais l'Esprit du Seigneur rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors là, nous sommes sûrs et certains qu'effectivement que si nous sommes enfants de Dieu, alors certainement nous avons donc la victoire. Mais maintenant, il faut que nous puissions être conscients, mon frère et ma sœur, que nous sommes victorieux. Si moi, aujourd'hui, je dis que je suis un fils de Dieu et que la cigarette a les dessus sur moi, tu ne peux pas dire que je suis plus que vainqueur. Chaque fois qu'une chose domine sur toi, c'est que tu es vaincu. Ah oui, frère et sœur. Si la haine domine en toi, tu es vaincu. Si le mensonge domine en toi, tu es vaincu. Alors si toutes les choses aussi mauvaises, effectivement, les critiques, les ceci, les toujours les pensées mauvaises dans le droit, tu es toujours vaincu. Parce que si tu es plus que vainqueur, tu dois vaincre tout cela. C'est pour ça qu'on nous parle effectivement dans la Sainte Écriture, dans 1 Corinthiens chapitre 13, que je voulais que nous lisions avec vous, effectivement, 1 Corinthiens au chapitre 13. Et je pense que c'est cela. Oui, nous pouvons arriver 1 Corinthiens au chapitre 13. Voilà, il nous dit une chose ici. Voilà. Verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, donc l'amour, je crois que chez vous c'est comme ça, hein, je suis donc un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Parce que je vois toujours être un peu au même diapason que vous, effectivement, avec l'écriture que nous lisons ici. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 13, voilà, c'est cela, oui, vous connaissez. Donc, quand je parlais la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai donc le don de prophétie,
la science de tous les mystères et toute la connaissance. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter de montagnes, si je n'ai pas donc la charité, je ne suis rien. Et quand j'ai livré tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand j'ai livré même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, ça ne me sert de rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Donc nous comprenons qu'effectivement que lorsque nous arrivons à un état comme celui-ci, donc nous comprenons qu'effectivement que nous pouvons dire qu'effectivement que nous sommes plus que vainqueurs. Eh bien oui, mon frère et ma sœur, pourquoi effectivement? Parce que qui est-ce qui a vaincu? Ce n'est pas moi. Moi, je ne peux pas vaincre les démons. Non, pas du tout, parce que je suis charnel. Et tout ce qui me concerne, effectivement, ça fait que je suis un homme charnel. Et les démons sont des esprits, effectivement. Et ils connaissent effectivement. Moi, je ne peux pas le voir parce que je suis un homme charnel. Et pour arriver à cette dimension, il faut être spirituel. Donc, je ne peux pas, moi, vaincre les démons. Alors, je ne peux pas le vaincre. Mais il y en a un qui a vaincu. C'est cela ce que nous devons comprendre, mon frère et ma soeur. Quand nous disons, il y a un qui a vaincu. Donc, la victoire de celui-là devient ma victoire. La Bible nous dit qu'effectivement, il a dépouillé les autorités. C'est pas moi, mais lui, il a dépouillé les autorités, les dominations. Il les a exposées en spectacle. C'est pourquoi il dit que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Il dit, mais il a vaincu en fait l'enfer et la mort. Il a dit cela. Donc il n'y a qu'un seul qui l'a vaincu. Donc pour que moi, je sois plus que vainqueur, il faut que je puisse avoir le vainqueur, effectivement. Donc, le victorieux, c'est lui qui a combattu, c'est lui qui a vaincu. Parce qu'à la croix de Golgotha, il a dit, tout est accompli. Amen. Il est donc descendu, effectivement, dans les bas-fonds, effectivement, les sous des morts. Il est descendu, effectivement, aussi victorieux, aussi vivant. Ni toi, ni moi ne sommes pas descendus. Mais lui, il est descendu. Donc, en fait, il a conquis toutes choses, effectivement. Il a démontré qu'effectivement, que l'autorité, la puissance, il l'avait. Est-ce que vous suivez? Donc maintenant, pour que moi, je puisse aussi être vainqueur et victorieux, il faut que je sois semblable à lui. Parce que de moi-même, effectivement, vous savez, comme l'Écriture montre, effectivement, que l'homme, l'occasion lui avait été donnée, effectivement, de pouvoir montrer que même par ses efforts, il pouvait arriver. Mais il ne s'est jamais arrivé. Parce que quand il fait des efforts, effectivement, il retournait toujours à la même condition de cochon. C'est ce que la Bible nous dit. Que la loi, après tout ce qu'il était, ne peut jamais amener l'homme à la perfection, parce que quand l'homme pêche, effectivement, il sort et tourne, effectivement, la même nature revient. La loi ne changeait pas la nature de l'homme. Donc l'homme, parce qu'il doit faire ceci, il a fait, mais ça ne lui a apporté jamais un changement. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, on n'a jamais parlé de ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est important cela, comme on l'a toujours effectivement, il faut le répéter. Donc, dans l'Ancien Testament, on n'a pas parlé de la nouvelle naissance parce que la loi ne pouvait jamais apporter la nouvelle naissance à quelqu'un. Comme nous l'avons entendu, effectivement. Mais les hommes faisaient des efforts, effectivement, pour cela, on doit faire ça, on doit faire ça. Mais ça ne leur changeait pas, effectivement. C'était toujours comme l'homme naturel, parce qu'il mourait, il restait dans le tombeau. Mais lorsque le Seigneur entra donc dans le monde, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifier devant, tu m'as formé un corps. Donc, c'est dans ce corps-là qu'il a combattu. Il nous a montré effectivement comment il faut tenir, effectivement, comment il faut prier, parce que souvent nous prions 2005. Non, il nous a montré qu'il faut prier. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, mon frère et ma soeur, dans notre vie, effectivement, il faut qu'on puisse avoir beaucoup de temps pour la prière. Avant, on priait effectivement 5-10 minutes, effectivement. C'est pas assez. Non, parce que nous n'avons pas lutté contre les hommes, hein, mais des démons, frère. Parce qu'il faut que dans ta prière, sois aussi fermement assidu dans la prière pour que tu aies la force vraiment combattre, effectivement, et maintenir la victoire. Vous direz, mais frère, c'est vrai, mais Éphésiens chapitre 6, il est dit, hein. Éphésiens au chapitre 6, il est dit ceci. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. N'est-ce pas vrai? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Frères et sœurs, quand on parle de princes de ce monde des ténèbres, vous savez qui c'est, non?
Mais qui, humainement parlant, peut combattre les démons? Physiquement parlant, vous pouvez? Non. Personne ne peut arriver à pouvoir le combattre. C'est sûr et certain, vous pouvez essayer, vous n'arriverez pas, parce que ce sont des démons, ils ont de la puissance, effectivement, que charnellement, physiquement, vous ne l'avez pas. Bien sûr que oui, vous n'en avez pas. Comment pouvez-vous arriver à pouvoir... Vous vous souvenez de l'exemple dans les Saintes Écritures, effectivement, des sept filles de Séva, je pense, effectivement, c'est cela. C'est ça, je pense, cela. Et qui ont dit à cet homme qui était possédé par les démons, dit, mais au nom de Jésus que Paul prêche, nous t'ordonnons de pouvoir sortir de cet homme. Vous vous souvenez? Et qu'est-ce que les démons lui ont répondu? Ah oui, ah bien, ah bon, ah, tu nous chasses, nous. Il dit, mais et Paul, nous connaissons. Jésus, nous connaissons. Et toi, qui es-tu? Vous connaissez la suite, non? Voilà. Donc, voilà. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et les sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous comprenez cela? Après avoir tout surmonté et tenir ferme. Et puis nous continuons, il dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité ne vient pas de vous. Hein? Est-ce que vous comprenez? Que tout homme soit reconnu pour menteur. Que Dieu seul soit reconnu pour vrai. C'est vrai, mon frère et ma soeur. C'est quelque chose que nous devons comprendre parce que nous devons réaliser aussi que ce que nous prononçons doit avoir aussi les effets sur nous. Ne soyons pas simplement des gens qui savent débiter beaucoup de choses de la bouche. Nous sommes en réalité qu'effectivement que vous ne répétez, mais vous n'êtes rien. Ah, c'est important, frère, parce que aussi longtemps que vous êtes vide, effectivement, vous espérez aller où? Parce que vous devez avoir l'espérance d'aller quand même quelque part. Vous espérez aller où? Parce que pour aller quelque part là, il y a quand même des conditions, mon frère et ma soeur. C'est pour ça que, efforcez-vous d'entrer. Regardez bien, nous continuons ici. Dit, mais c'est pourquoi, en fait, les femmes ont dit, tenez donc ferme, ayez donc à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Vous remarquez que toutes ces choses-là ne viennent pas de vous. La cuirasse de la justice, ça ne vient pas de toi. Est-ce que vous comprenez? Et puis, les ailes que donne l'évangile, ce n'est pas ton évangile. C'est l'évangile de Christ. Est-ce que vous comprenez? L'évangile, effectivement, de paix. Et puis nous continuons. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit, qui est donc la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints, ainsi de suite. Donc, les saints d'Écriture montrent effectivement dans quel état, dans quelles conditions nous devons être pour pouvoir combattre effectivement l'ennemi, effectivement, qui est notre adversaire, effectivement, ce n'est pas mon frère, ma soeur, mais c'est bien les diables. Et je ne vais pas les combattre effectivement avec ma stratégie à moi. Non. Je dois avoir quelque chose, effectivement, qui me permet de voir réellement aussi être sûr qu'avec ça, il ne pourra pas tenir. Parce qu'aucun être humain ne l'a vaincu, sauf un homme. Parce que c'est comme cela que nous devons étudier la stratégie de cet homme-là, comment cet homme est arrivé à bout de cet esprit. Parce que tous les hommes ont essayé. Ils ont été vaincus. Mais lui, il est venu. Et quand il est venu, effectivement, on nous dit qu'il a dépouillé. C'est-à-dire qu'il a ôté tout le pouvoir. Et puis, on nous dit qu'il nous a dit à nous, voici donc, je vous donne... Quoi? Le pouvoir sur toute la puissance. Amen, amen. Mais de qui? Mais de Satan. Amen, amen. Qui est le prince de l'air, effectivement. Oui, mon frère et ma soeur, c'est pas des comédies ou des fantômes. Non, non, c'est une réalité. Donc il y a quelqu'un qui a vaincu. Ce qui est merveilleux, effectivement, c'est que le Seigneur nous montre dans sa parole qui est tellement parfait, effectivement. Parce que toi et moi, on doit avoir la victoire. Mais cette victoire, effectivement, pour pouvoir la voir. Comment je peux avoir la victoire qui appartient à quelqu'un d'autre? Parce que moi, ah oui, moi, je n'ai pas combattu. Parce que c'est lui qui a combattu, effectivement. Donc, il a la victoire, effectivement. Donc, moi aussi, maintenant, je dois aussi avoir la victoire sur les démons. C'est lui qui a vaincu. Comment est-ce que je peux avoir sa victoire aussi dans ma vie et dire aussi que je suis plus que vainqueur? Et le dire avec assurance. C'est important, ça, mon frère, ma soeur, que nous puissions
comprendre effectivement, parce que répéter, c'est bien de pouvoir savoir que effectivement, mais en fait, que la chose devienne une réalité en toi. En toi, comment moi je peux devenir? Parce que c'est bien de dire, ah, nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes plus qu'un père parce qu'il nous a aimés. Mais oui, il nous a aimés, certainement, c'est vrai. Mais quelle est l'influence de sa victoire sur toi? Quel est l'effet de cela sur toi? Et comment je peux aussi devenir aussi victorieux? Parce que la grâce qui nous a connus, c'est plus que vainqueur. Donc nous sommes plus que vainqueurs. Comme dit l'Ébi, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. C'est pour ça que Dieu avait établi donc cette loi de rachat. Rachat, effectivement, où nous pouvons réaliser qu'il fallait donc un parent rédempteur. C'est-à-dire, quand on parle de parent rédempteur, c'est quelqu'un qui est vraiment plus proche de toi, qui est dans la même lignée. Ça veut dire que consanguinité, hein? Parce que si vous n'êtes pas dans la même lignée, il ne peut pas être proche parent, il ne peut pas être effectivement aussi un parent rédempteur. Il fallait que ce soit de la même lignée, même nature que toi et moi. Et oui. C'est-à-dire que quand cette personne avait tout perdu et est devenue esclave, effectivement, il ne pouvait plus s'en sortir, lié tout ça, c'est lui qui était puissant, qui avait les moyens, donc celui-là, parce qu'il ne pouvait pas aller prendre le voisin, parce que le voisin va avoir les moyens, mais le voisin ne pouvait pas arriver à pouvoir payer pour celui-là, et ça n'allait pas marcher, en fait. Parce que si le voisin payait pour lui, il devenait esclave du voisin. Et parce que c'est comme on achète des esclaves. Donc j'achète celui-là, il devient moi, effectivement. Mais ton parent, toi, ne peut pas t'acheter. S'il te prend, il te ramène à la maison. C'est ça la grande différence. C'est pour ça qu'il fallait un proche parent, un parent rédempteur, pas le voisin. Non, de la même famille. Parce que s'il fait ça pour toi, la famille, il sait que tu lui appartiens, donc ce qui est à toi est à lui. C'est pour ça qu'on nous parle, effectivement, aimez-vous ardemment les uns et les autres. Parce que nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur, notre Dieu, a fait. C'est ainsi qu'il est devenu homme pour qu'il puisse arriver à pouvoir être comme la Bible le réclamait. Non, Jésus-Christ est vraiment la parole de Dieu. Parce que la Bible, c'est une sagesse extraordinaire de Dieu de voir qu'il fallait qu'il soit un homme, effectivement, pour accomplir l'écriture, comme s'il n'y avait rien à pouvoir dire. Parce que dans l'Ancien Testament, il était question d'un parent rédempteur. Donc, il est venu dans la forme d'un homme pour qu'il soit un homme. Parce qu'il n'y avait personne qui pouvait arriver à pouvoir payer pour soi-même. Comme vous le savez, effectivement, aussi, à cause du péché, Satan avait les droits sur chacun de nous. Quand on veut relever la tête, il dit, mais j'ai un droit sur toi. Hein, parce que il y a quelque chose de moi là-dedans que je dois revendiquer. Est-ce que vous suivez? Quelle était la chose de lui là-dedans qu'il devait revendiquer? Mais le péché. David l'a dit, ma mère m'a conçu. Ah ben oui. Donc la conception là, Satan a le droit de revendiquer parce qu'on est conçu dans l'iniquité, on est conçu dans le péché. Tout celui qui venait, il se disait que moi, si je suis roi, c'est fini, donc sur la terre, je règne pour toujours. Parce que tous les hommes, Dieu est sage, il n'y avait que lui qui avait les secrets. C'est merveilleux, c'est pour ça que nous devons vraiment avoir du respect pour les choses qui concernent Dieu. L'obéissance et la considération pour la parole de Dieu. Ne venez pas comme des touristes, mais venez comme des fils et filles de Dieu qui ont la soif de pouvoir entendre. Quand nous sortons, on dit, Seigneur, je me mettrai à genoux, je vais méditer. Frère, méditez la parole que vous entendez. Recoutez même si c'est une fois ou deux fois encore pour que vous puissiez saisir et prier. C'est pour votre bien. Satan ne le savait pas, mais Dieu savait. Parce que Satan dit, ah, mais j'ai vu le plan de Dieu, effectivement. Eh bien, comme ça a commencé comme ça. Et puis il dit, mais les enfants ne viendront que par ces moyens-là, plus par ces moyens-là, effectivement. Eh bien, moi, je règne sur toute la terre. Jusqu'à la fin, je ferai tout ce que je veux.
Mais un jour, il s'est passé quelque chose, bien plus tard que lointain. Une femme, c'est merveilleux. Une jeune fille, c'est merveilleux. Une vierge, glorieuse. Glorieuse au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce que Dieu avait déjà annoncé, une vierge concevra. Mais comme Satan doute toujours. Parce que Satan n'a pas la foi. Une vierge concevra. D'ailleurs, c'est impossible. Vous ne pouvez pas croire. Mais Dieu annonça cela. Et comme nous savons que l'Esprit du Seigneur suit la parole de Dieu. Et alors là, parce que ça, Satan ne pouvait pas croire à cela. Parce qu'il n'a pas la foi. Parce que d'abord, on nous dit quoi? Que la foi est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Donc Dieu nous a donné pour que nous croyions. Donc Satan est un incrédule. Il ne peut pas croire à la parole de Dieu. La réciter, tout ça, la tordre effectivement des sens, ça il va vous faire comme docteur. Ça il sait le faire. Mais il ne croit jamais. Parce que s'il croyait, frère, il serait. Or, lui, c'est la perdition. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, il ne peut pas croire. Parce qu'il est destiné à la perdition. Évidemment. C'est ce que le Seigneur avait dit quand il priait, lorsqu'il disait, Seigneur, de tout ce que tu m'as donné, j'ai gardé tout ce que tu m'as donné, excepté le fils de la perdition, afin que l'Écriture soit donc. Mais oui, on ne peut pas briser les Écritures. C'est pour ça que quand vous êtes incrédule à la parole de Dieu, posez-vous la question. Quand vous écoutez, vous sortez, c'est quand vous étiez sourd, effectivement, posez-vous la question, de quelle sémence êtes-vous? Parce que la sémence divine de Dieu, effectivement, eh bien, elle discute par la parole de Dieu. Quand elle combat la parole avec des raisonnements, effectivement, c'est qu'il y a un problème quelque part. Parce que, vous savez, ils sont comme des taureaux avec les cornes, effectivement. Ils écoutent, mais ils attendent, effectivement, un moyen pour pouvoir... Ah, c'est pas conforme aux... Toujours, toujours comme ça, effectivement. Mais quand ce sont des enfants de Dieu, on les appelle des brebis. Pas des taureaux, mais des brebis. Ils sont toujours comme ça. La soumission, le respect, l'humilité, parce qu'ils respectent la parole de Dieu. Et c'est à cela que l'Écriture dit, mais tu as caché c'est ça, ces choses aux sages, aux taureaux donc, et aux intelligents, les a révélées aux enfants, donc aux agneaux, paix mes agneaux, paix mes brebis. Dieu n'est pas venu chercher des boucs. Hein. Regardez-vous quand même, je pense, bon, vous n'êtes pas ici les seuls, je pense qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont connus dans différents pays du monde aussi. Donc regardez-vous, quelle est la nature que vous manifestez effectivement aussi. Donc, est-ce la nature des boucs ou des brebis? Parce que, à combien, pour votre raison parfois, ben, à, comment est-ce que, combien de fois le Seigneur répète, le respect, la soumission, c'est difficile pour des frères, même pour des sœurs, va rester soumettre effectivement aux choses, même quand on parle effectivement, va les principes à l'Assemblée, on doit faire ceci, il faut faire ça. C'est toujours difficile, pas seulement des sœurs, mais aussi des frères, pour respecter juste les principes effectivement des saintes églises dans la maison du Seigneur. Ils vont toujours donner des arguments parce qu'ils connaissent que non, moi je pense que, moi je pense ceci. Et quand vous êtes à ces stades-là, Dieu ne peut rien faire avec vous. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. L'orgueil précédera toujours. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous défendre, vous justifier, mais l'Écriture devra toujours s'accomplir. La question va se poser, ça va dire, mais moi ici qui écoute la parole de Dieu, où est-ce que je la mets? Où est-ce qu'il a sa place, effectivement? Est-ce qu'il trouve une place au-dedans de moi? Ou bien, parce que c'est bien de pouvoir crier, c'est bien de pouvoir louer, c'est bien tout ça. Mais à la fin, où est-ce que tu vas? Parce que Dieu est comme les mains attirent que sa nature. Donc, nous comprenons qu'effectivement, il nous est absolument nécessaire de réaliser, comme nous le disions, c'est-à-dire que beaucoup plus tard, effectivement, que contre toute attente, Satan surpris parce que les démons, quand ils le voyaient, quand ils passaient, ils disaient, mais c'est pas possible, c'est quand même un homme. Mais quand on s'approche, on sent qu'il y a une autorité qui fait que, ici, nous nous sentons dépourvus de force. Y a-t-il entre toi et nous? Jésus de Christ, il passait son chemin. Ah oui. La nature tout entière s'inclinait. Pour quelle raison? Mais c'était Dieu. Les démons sentaient effectivement, dit, mais quand on voit cet homme, mais quand on s'approche, on sent que c'est Dieu, comment est-ce possible? Eh oui. Ça, c'est la puissance de Dieu. Ça, c'est le mystère de Dieu.
dans un homme tellement si faible qui est méprisable, c'était toute la plénitude de la divinité. Il suffisait seulement qu'il dise un mot, les choses se créaient. D'ailleurs, il l'a prouvé. Ah oui, frère, il a prouvé notre Seigneur. Non, c'est merveilleux de connaître ce Jésus dans sa dimension, effectivement, dans sa divinité dans laquelle il se trouve, effectivement. C'est vraiment un bonheur, une grâce, une délivrance que l'homme, effectivement, dans tout le moindre détail, dans tous ses sens, peut glorifier Dieu, effectivement, que c'est une grâce de pouvoir connaître ce Jésus. Mais c'est parce que vous ne l'avez pas vraiment reçu, effectivement, dans sa plénitude, que vous ne pouvez pas ressentir, effectivement, dans votre intérieur, cette allégresse à son endroit. La reconnaissance qui monte, effectivement, parce que quand vous pensez, effectivement, à ce qu'il est, c'est pas une répétition, mais à ce qu'il est, ce qu'il a fait, ce qu'il a fait de toi, comment ne pas le louer chaque fois que tu penses à rien qu'à son nom? Frère, tu ne peux que danser, peux que dire merci Seigneur. Même quand je pleure, je pense en lui, mon âme se réjouit. Et dit ce que toi tu as fait pour mon frère et soeur. Même la mort n'a plus de pouvoir sur toi, tu peux imaginer cela? À cause d'un seul homme. Il a combattu seul. Toute l'armée de Satan, nombreux frères, aujourd'hui ils ne valent rien. Avant oui, ils avaient la puissance et le pouvoir. Mais un seul homme. Pas deux. Mais un seul homme. Est entré dans la reine. Amen. Oh oui, tout l'enfer s'est déchaîné. Un seul homme. Amen. Alléluia. Il a levé les bras. Il dit venez. Et ils sont venus. Alléluia. Il les a apportés dans les bras. Il est sorti victorieux. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible dit, il a amené captif la captivité. Gloire au Seigneur. Qui peut contre lui, mon frère? Et celui-là, c'est ton Seigneur. Celui-là, c'est le Jésus de la Bible, mon frère. Il a dit, parce que je vis, toi, tu vivras aussi. Alléluia! Lève-nous, frère. Notre Père, notre Dieu. Ce soir encore, nous voulons te dire merci. Pour le privilège et la grâce que nous a accordé d'être à toi, on va te louer et te glorifier, mon bien-aimé Père Saint. Bénis ton peuple, mon roi, qui ce soir est venu dans ta maison pour pouvoir te servir encore. Ne nous abandonne pas, mon bien-aimé Père Dieu. Nous avons besoin de toi. D'avancer encore, de pouvoir te servir encore comme tu le veux, Seigneur. D'être éclairé, d'être soutenu, d'être fortifié parce que tu es le roi. Le rédempteur glorieux, donateur de tout don excellent, mon bien-aimé Père Tubissant. Le consolateur des affligés, c'est toi, mon bien-aimé Père Dieu. C'est toi notre soutien. C'est toi aussi notre force, mon roi. Nous nous réjouissons de ta grande bonté, mon bien-aimé Père puissant, de tes compassions encore aujourd'hui, mon bien-aimé Père Dieu. Nous sommes vraiment consolés. Savoir que tu es vivant, mon bien-aimé Père Dieu. Ce que tu dis est vrai. Ce que tu fais est aussi là. Mon bien-aimé Père, droit, mon bien-aimé Père puissant. Nous te remercions, mon roi. Enseigne-nous, notre bien-aimé Seigneur Jésus, de rester encore à genoux, mon bien-aimé Père Dieu, mon sauveur. C'est là que nous avons aussi la force et la victoire, mon bien-aimé Dieu tout puissant. Aide-nous encore davantage, mon roi. Nous invoquons ton nom, mon sauveur. Parce que nous est une protection, mon bien-aimé Père puissant. Et une garantie, mon bien-aimé Père Dieu, que leur grâce va réellement t'avoir, mon sauveur. Oh, le diable s'est déchaîné contre nous, mon bien-aimé Père puissant. Mais tu es notre bouclier, mon roi. Donne-nous encore la force, mon bien-aimé Père puissant, Dieu. La santé, mon bien-aimé Père puissant, Dieu. La guérison, mon roi. Nous voulons te servir encore comme tu le veux, Seigneur Père puissant, Dieu. Comme au jour d'autrefois. Mais encore plus, encore davantage, mon bien-aimé Père puissant. Dans la sainteté, mon roi. Dans la pureté, mon bien-aimé Seigneur Dieu. Oh, tu nous as relevé du bas-fond, nous étions, mon bien-aimé Père Dieu. Pour te servir, toi, le Dieu très haut. Que ton nom soit béni encore, mon roi. Qu'il soit exalté, mon bien-aimé Père puissant. Sois donc élevé, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta compassion. Nous marcherons avec toi. Nous serons éclairés par toi. Oh, nous vivons pour toi et nous mourrons aussi pour toi, mon bien-aimé Seigneur. Pour ta gloire à toi, mon bien-aimé Père puissant. Oh Dieu, que permet faire les hommes, mon bien-aimé Père au Dieu. Même si nous abandonnons, bien-aimé Père au Dieu. Même si nous laissons, bien-aimé Père puissant. Oh, nous serons toujours attachés à toi, mon bien-aimé Père. Ce que tu veux, c'est qu'avoir un peuple, Père. Oh Dieu, un peuple au caractère. Un peuple qui est en ferme dans ses sentiments, mon bien-aimé Père puissant. Nous voulons rien avoir avec le monde, mon bien-aimé Père au Dieu. Oh, nous ne voulons pas avoir honte de toi, mon bien-aimé Père puissant. Nous voulons prendre position pour toi, mon bien-aimé Père au Dieu. Que ton nom soit béni, nous n'avons pas besoin des honneurs des hommes, mon bien-aimé Père puissant.
Oh, de l'appréciation des hommes, mon bien-aimé Seigneur, de toi, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Nous voulons te respecter, respecter ton principe, attends, mon bien-aimé Père Tibissant. Je prie pour mes bien-aimés frères et sœurs, bénis ma service d'Indo, mon bien-aimé Père Tibissant, là où il se trouve encore, mon bien-aimé Père Dieu. Ça fait besoin d'un peu de chaque frère, de chaque sœur, mon bien-aimé Père Tibissant, chaque enfant de Dieu, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, qu'il soit béni, mon bien-aimé Père Tibissant. Oh, garde nos frères, mon bien-aimé Père Dieu, qui sont mon bien-aimé partout en Europe, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, en Afrique, mon bien-aimé Père, dans un pays, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, qu'il soit gardé par toi. Oh Dieu du ciel, louange et honneur à toi. Bénis ma sœur car le son bénévole pour Dieu. Chaque enfant de Dieu, Père, de louange comme mon bénévole Père Tibissant, oh Dieu. Louange et honneur à toi. Je te prie, mon bénévole Père, oh Dieu, de soutenir ceux qui sont à toi. L'honneur te revient pour ma sœur, Zéphine Morena, Père, oh Dieu. Tu n'as pas changé, mon roi. Souviens-toi de ton peuple, bénévole Père, oh Dieu. Chaque âme, chaque frère et chaque sœur, dans chaque lieu, bénévole Père Tibissant, tu les connais par leur nom. Qu'ils soient gardés par toi, mon bénévole Père Tibissant. Consolés, fortifiés par ta main, Seigneur. Nous t'aimons, mon bénévole Père, oh Dieu. Apprends-nous à prier. Apprends-nous à rester genoux, mon bénévole Père Tibissant, oh Dieu. Merci parce que tu nous appelles à cela, mon bénévole Père Tibissant. La délivrance ne vient que de toi, Père. Je te suis reconnaissant. Merci pour tout, Père. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour, mon bénévole Père Saint. Pour ce que tu fais, ce que tu es davantage pour nous, Père. Bénis ce peuple, mon bénévole Père Tibissant. Réconforte et guéris les malades, mon bénévole Père Dieu. Je te remercie. Console encore davantage. Merci. Oui, Père. Merci, Sauveur. Gloire à toi. Honneur à toi. Oui. Merci. Oh. C'est toi que nous servons, que nous servirons, Père. Merci. Amen. Réveille ton peuple, mon roi. La foi, la puissance de Dieu, la consécration. Souviens-toi de chacun, de ma soeur Véronique et son frère, mon bénévole Père Dieu. Je prie pour que tu le soutiennes, que tu accordes la grâce, mon bénévole. Merci pour chaque frère, merci pour chaque soeur, mon bénévole Père Tibissant, mon Dieu. Je te demande grâce encore ce soir. Souviens-toi des enfants, souviens-toi de ton peuple, mon roi. Je te remercie. Tu es le Dieu. Tu es le roi qui nous conduit encore et qui nous soutient. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance et la victoire. Nous te servirons et nous te louerons. Je t'aime, mon roi, et je te remercie pour ton soutien, pour ton secours. Tu es vraiment celui qui nous tient par la main, Seigneur. Merci, merci. Merci, Seigneur. Merci. Oui, Père. Oh, roi béni, donateur de tout nom excellent. Merci. Merci, Seigneur. Oui. Merci. Davantage, mon Dieu, bravo. Soutiens chacun. Pardonne. Merci. Pardonne et accorde la grâce, mon Père. Merci. Merci. Garde-nous encore, mon Seigneur. Protège et soutiens-nous. Que rien ne puisse dominer sur nous, mon bénévole Père Dieu. Et que nous puissions dominer sur toutes choses, mon roi. Je t'en supplie, Père. Oh, tu es du ciel. Tu l'as dit, Père. Nous sommes plus que vainqueurs, mon bénévole Père Saint. Par celui qui nous a vraiment aimés. Et nous le sommes. Et nous le croyons de tout notre cœur. Nous agirons comme tu le veux, mon bénévole Père Dieu. Soutiens, pardonne-nous et protège-nous encore en cet endroit. Merci. Merci, Seigneur. Merci. Oh, roi. Amen. C'est cette foi. Cette consécration pour ton peuple, mon roi. Oh Dieu, qui doit réellement crier à toi, jour et nuit, mon bénévole Père. Tu as dit, ne ferais-je pas justice à mes ennemis qui crient à moi, jour et nuit. Je te remercie encore, Père. Donne la force à ton peuple, mon roi. Des soldats qui ne murmurent pas,
mais des hommes au combat, mon bénévole Père puissant, qui connaissent réellement l'adversaire et qui avancent avec assurance, mon bénévole Père Saint-Dieu. Merci, merci pour ce que tu fais pour nous. Gloire à toi et honneur à toi. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour, merci pour ta grâce pour ce peuple, mon bénévole Père Dieu. Oh, garde-nous encore. Nous avons besoin de toi. Reste avec nous, Père. Conduis-nous et soutiens-nous encore. Sois béni. Sois donc exalté. Et éclairé encore en ce jour. Merci pour la guérison, pour la délivrance aussi, mon bénévole Père Dieu. La joie de pouvoir te servir et t'adorer. Merci. Oh Dieu, tu es le Dieu qui protège ceux qui sont à toi et que tu les tiennes à l'écart, mon bénévole Père Saint, parce qu'ils sont à toi, mon sauveur. Merci. Merci, merci mon Sauveur. Gloire et honneur à toi. Tu es Dieu et tu es roi. Merci, merci. Éternel mon Dieu, je te suis reconnaissant pour tout. Souviens-toi de chaque Dieu dans ta bonté, mon Sauveur. Fortifie mon frère, fortifie ma soeur. Merci pour la grâce que tu as permis que nous puissions nous retrouver encore, avoir du temps dans ta maison à toi, Père, oh Dieu. Combien nous avons soupiré, oh Dieu, après ces moments bénis, Père, soupiré dans mon cœur, dans mon âme, de revoir mes frères, de revoir aussi mes sœurs. Oh, sois béni, mon Père, Saint, oh Dieu, sois glorifié. Garde ma sœur, Esther, qui est sur le chemin avec ses enfants. Oh Dieu, bénévole Père Tibissant, garde ton Père, mon bénévole Père Tibissant, oh Dieu. Nous te disons merci pour tout, Père. Gloire à toi. Merci Sauveur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Merci. Oh Dieu. Nous avons besoin de toi. Et encore aujourd'hui. Et en ce jour de grâce. Merci Père. Oh oui Père. Merci. Merci. Oh Dieu du ciel. Merci, merci Seigneur, béni soit ton Seigneur, merci, oh Dieu, tu nous as montré la grâce de pouvoir avoir l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu qui terrasse toutes choses. Père, nous importe, mon bénévole Père Tibissant, la taille du combat, oui Père, la taille du combat, mais nous avons vraiment la victoire en soi. Tu as tout vaincu, Père. Amen. Merci. Oh, Dieu du ciel, merci. Dans ta grâce, dans ta bonté, Père. Nous le voulons, Père. Un réveil de notre âme, bénémoine, Père du Saint. À quoi ça nous sert de pouvoir satisfaire à tout le monde? Mon bénémoine, Père Saint, soutiens-nous, Père, Dieu. Amen. Merci. Merci, Père. Merci, oh Dieu. J'implore ta grâce. J'implore ton secours. Ton soutien. Amen, amen. Nous y voulons. Nous le voulons, mon bien-aimé Père Saint. Oui. Merci. Oui, Père. Davantage. Souviens-toi, souviens-toi. Gloire à toi. Merci. Oui. Merci, Sauveur. Oui, Père. Merci. Gloire à toi. Oui. Merci. Gloire à toi. Merci. Dans ta bonté. Oui. Merci. Merci. Davantage, mon roi. Je te remercie.
Oui, oui. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Je te remercie. Merci. Gloire à toi. Tu es maître personne. Tu domines encore en cet endroit. Tu domines encore davantage, mon Père. Oui. Oh, tu es du ciel. Merci. Aide-nous, mon Père. Merci pour tout, Père. Merci, mon Dieu. Merci pour tout. Merci. Amen, amen. Oh oui, Père. Amen. C'est cela que nous désirons, Père. Nous pouvons revenir encore davantage à prier, Père Dieu, à rester à genoux dans ta maison, à rester à genoux dans nos maisons, Père Dieu. Ah, nous en avons vraiment besoin. En retour à cela. Oui, Père. Merci. Amen. Merci. Merci. Tu es Dieu et tu entends le prière, tu exauces mon roi. Que tes anges campent ici pour protéger l'entrée, mon bénémoine, Père Dieu. Oh Dieu, contre toute attaque d'ennemis, mon bénémoine, Père puissant, puissant, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Oh Dieu, que tu puisses te tenir avec l'épée, Seigneur, dans ta maison, autour aussi, à l'extérieur, mon roi, de ce bâtiment où nous sommes. Protège, mon bénémoine, Père. Oh, je te demande cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Père. Merci. Gloire à toi. Et c'est ce que nous désirons, Père. Merci. Oui. Merci. Avec soin. Merci. 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 Oh Dieu. Amen. De ce que nous désirons, de ce que nous désirons, de ce que nous désirons, et nous cherchons cela. Merci. Merci. Oh Dieu du ciel. Merci. Merci. Merci, Père. Gloire à toi. Merci. Nous avons vraiment besoin de ce retour où le cœur est purifié, où le péché est ôté, mon roi, où la paix est dans l'âme, mon bénémoine, Père Tibissant. Oh, il priait, il persévérait dans la prière, mon bénémoine, Père Tibissant, dans la fraction de pain. Oh, c'est cela, mon bénémoine, Père Dieu, ce que tu nous as donné, mon bénémoine, Père Dieu. Peu nous importe ce que le corps peut être, mon bénémoine, Père Saint, mais ce qui est important, c'est ce que l'âme est devant ta face, mon bénémoine, Père Dieu. Je te loue de tout mon cœur, je t'exalterai de toute mon âme, ô Maître béni. Viens et prends ta place, mon bénémoine, Seigneur. Viens et prends ta place dans cet endroit. Oui, c'est ta maison à toi. C'est ton lieu, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Nous te remercions. Aide-nous encore, mon Sauveur. Merci. Merci pour tout, Père. Dans ta bonté. Dans ta grâce, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu du ciel. Merci. Nous avons besoin de cela. Oui, oui. Oui, Père. Merci. Béni soit ton Seigneur. Oui, Père. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous comptons sur ta grâce, mon bénémoine, Père. Tu l'es. Tu l'es, mon Sauveur. Je t'aime et je te remercie. Oui. Nous croyons en toi et nous te remercions. Aide-nous, Père. Merci. À vivre pour toi. C'est ce jour où nous devons nous tenir encore dans la prière devant ta face, d'exprimer ce que nous avons, Père. Merci. Merci, Père. Merci. Merci.
besoin de retourner à cette communion fraternelle, véritable Père, où tu oui, Père, avec ton peuple, avec ces âmes qui sont à toi et dans le respect de ce que toi tu es. Je te remercie. Tu es vrai, tu es roi et nous rendons gloire à ton nom pour tout ce que tu es. Merci pour tout. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois en son amour divin. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque je crois son âme divin. Chaque promesse dans la Bible. Que le Seigneur soit nous béni. Nous élevons, nous élevons ton nom du haut. Nous élevons, bye.